commerciale, la valeur touristique qui pourrait mettre en danger certaines populations de baleines. Nous partons donc pour mieux comprendre l'enjeu de la situation outre-Atlantique, aux confins des Bahamas, découvrir une des espèces de baleines les plus fascinantes, la baleine à bosse. Qui est une zone de haut fond où on trouve souvent les femelles qui viennent d'avoir leurs petits. Elles restent dans des eaux peu profondes pour éviter les prédateurs plusieurs semaines après la naissance. Les baleines à bosse jeûnent pendant tout le temps de la migration, soit 7 à 8 mois de l'année. Elles essaient d'économiser leur énergie, c'est donc une bonne situation pour pouvoir les observer sous l'eau. Est repérée, apparemment accompagnée d'un petit. Après plusieurs semaines de préparation, l'heure de la première immersion est enfin arrivée. Après la naissance, le baleineau dépend de sa mère qui l'allaitera pendant presque un an. Épuisée par une gestation de presque 11 mois, la femelle passe la plupart de son temps flottant à proximité du fond pour se reposer et économiser son énergie. Thank you.
Thank you.